Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Nako, cessez jamais qu'on remercie Bino Batu. Tout bazo l'andanga dans le monde entier. Donc, au bazar ou bengangai, bazo félicitenga. Parce que vraiment, combat au Tozo Bunda et Zali GT. Donc, un petit coucou à Thomas Lokof, mon jeune frère, à mon ami à côté combat. Bon, moi, vraiment qu'il faut Batu Nyo surtout. Oyo bazana katia masolo, oyo ba yebana, oyo ba bima, ba kotara na ba combat. Donc vraiment, je tiens à féliciter Thomas Lokof ndenga koti combat, à reconnaître vraiment que combat wana mutu tout na période où il faut avec sa position na ye. Ozomona. Donc bandeko na biso eza kanam te l'observe bazana raison. Sou oza olingi mboka Congo, il faut payer sa position na yo. Moi je suis un patriote. Kanambe c'est un Rwandais, il doit rentrer chez eux. D'une manière ou d'une autre, il doit rentrer chez eux. Et retrouver sous la position de frère, Kolobabo était pour. Ah, il y a la France, il y a un bon aïe, ah, écoute à Macron. Nous sommes là-dedans, ma soeur. Tu remis la période de mon roboé. Oyo, Bible et Zoloma, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Bible et Zoloma, n'est-ce pas? Oyo, Zabiso, t'es à contre Biso. Donc, Moutou, Oyo, Zab pour Kabila et Omon, Moutou, contre Kabila et Omon. N'est-ce pas, Biso, Moussou, sous la tchèque à l'Okolo, l'extase, Anne et Kanga, Bakébalien. Pour Monique Thomas Lokofé, à reconnaître vraiment que Kabila, c'est un Rwandais, prima B. Donc, Thomas Lokofé, je tiens vraiment à féliciter au combat Oyo Koti. Yebara que victoire est allée certaine. Donc 5 minutes à l'élo, Nazali Kolobela, ex-président Nabiso Kanambe, ou Azali na pouvoir. Ben, peuple congolais, bo yo kamala makam na zolba. Peuple congolais, bo yeba ke, message yo, parole yo, papa Tshisekedi alobaki ke le congolais, to miswa en charge, ezali ki jete. Peuple congolais, bo zon anana sima, parce que batu bele bazo lo basiko yo ke, omoni Kanambe, azo joué Nabiso, azo salabaje. Ils ont dit 2016, à cause ça. Bon, mon ami, je vais changer la constitution. Et constitution et na parlement, parce que le parlement est corrompu. Et que le Sénat, ba bangi constitution et les kate. Bon, mon ami, à sali ba manœuvre tout, ba vandeli makambu, ba sali ba dialogue, ba pesie un an. Bon, mon un an, on a et comme na souka, à lingi kokendete. Donc, bon, kanisate ke. Kanambe wana akolamuka un jour a yebo alobiki non na tiki na ngai bona bo. Soki Kanambe azali ko insister. Peuple congolais bo fongola matoi bo landangai parce que peuple congolais toza bazobate. Soki azali ko insister parce que alingi kotika pouvoir te. Alaki sibiso na ba moyen nyo surtout que alingi kotika pouvoir te akotika ka yango te mutu aye na masasi il faut azonga pe na masasi akende pe na masasi. Donc Kanambe amekaki a changé constitution et simité na 2018 bozomona à chaque fin de l'année azo créé ba masolo et 2016 eleki 2017 eleki bozomona azo créé ba masolo to mona 2018 eleka 2019 eleka donc akorobeta ba 5 ans li sous kaka na ba jeune na ewana bo ye barake soto komi côté ya 2018 na fin 2018 ye barake Kanambe robim sa rubrique mususu. Boye baraki akobimi sa rubrique mosus liboso alobaki ke non belection ezate parce que mbongo ezate sikoyo akomi kolobake belection l'état congolais mutu ekosala yango pa mbongo monani do liboso mbongo ezalaki te sikoyo mbongo monani deni do po boye baraki azako sala baje bo monani bi présent mobimba donc batu bazako kufa batu balingi yote batu balobi okende ozali kaka ko insister. Ok, Ah.
ils ont indiqué beauté image aux hommes dans la image battu tout balbia beauté image image qui toque au monde à battre au sepla ils ont dit donc ngamo c'est ça en 5 minutes aux hommes la mukili mobimbe so benganga ils ont pas sangai courage mais kanambe ex président na biso aza légitimité et là comme moi qu'ils ont légitime ils ont ils ont légal ils ont mais azali ko insister azali ko insister parce que alingi ko kendete parce que soit linga ko kende mais ça kenta qui est facile. Mais si on écoute tout bateau bazo koufa azo kipete bon et là on y ne rebang ça bateau bazo koufa donc bateau lingi yote azo insister donc beau se mettre na mutu na bino ke beau kansate ke kanambe wana ex président na biso na 2018 à cause de sa élection ya rosalate soka azo insister parce que ya lingi atika na pouvoir donc bino beau kansate na mutu na bino ke kanambe na 2018 a roya sa élection ye atika ne a part. Mais à ça qu'on banque parce que bah bateau n'est pas si bas coufi communauté tout international ils ont remonté bah au Kangaya au Kenya na ces pays botchal mitu na bino que kanambe a roti kaka pouvoir te a ko Kenya te pe a ko Kenya te soit au commis à l'église comme mon peuple ils ont zalasiko yo donc soit au commis vers fin 2018 a ko bimisa rubrique mususu au ego tingaye article parce que aujourd'hui te kazo chabilo kongo tout na bah fin il y a de l'année soit au l'église à Kosimbula mususu parce que de ici donc à combien t'as pas 5 ans aye na masolo kabo si qu'on coûte à cela qui va prolonger qui est na dialogue na oye salama qui est na 5 ans prolonger qui est donc comprenez que va passer qu'à moi 1 an si qu'on azali na prolongation t azali na elo ko morote mais peuple congolais vraiment elo ba kutu bokechu premier mais oyo peuple andenge nini présent zawana azana manda morote azali légitimité mais azali naye ko nommé batou azali naye na mboka wana karabo mais congolais vraiment en tout cas il faut tout ça quand même que vraiment mboka na za biso présent wana aza susu na pouvoir moroté mais aza ko mona na kututé mais bazobo bazana ekuna ba vandi donc peuple congolais nga na za ka ko lamsa bino ndengi ba sango bazu pression wana ya ko salaka tous les dimanches ba messe après marche biso peuple congolais totikaté. Totikate que kanambe totikayete totikayete na pespe message na katumbi yo katumbi oliaki bambongo na kanambe kuna sobo beba na kite na bakop na bino mbele lelo msoza kana pepe de ozana bambongo bele olobaki ke bozo ezitete pona kozwa minduki donc mbongo na yo oyo oyiba na pepe na peuple congolais donc sombelango ba arme sombelango ba arme parce que kanambe arolongwa kaka na ba arme sombelango ba arme to longola kanambe parce que ba volonté bazali de so ba arme bimi ba volontaire bazali donc vraiment message ezali po na kanambe na ex président na biswana ex président na biswana na peuple congolais donc to boule kou tout que akotika pouvoir la mi katiki pouvoir donc hier il faut to longola na makasi pression et silaté pression et silaté na 2018 donc soto komi vers la fin 2018 kanambe ex président na biso akobimsa susu rubrique mususu o ko kote na 2019 artia susu décembre 2019 après kote na 2020 donc totika pression te to sale la ma solo donc yo maman Olive to pense que yo déjà des voix mon ami déjà ba laki sa ki ba photo ya moi sa kanambe a Rwanda donc il a rien à foutre de toi. Donc yo timbela masolo donc peuple congolais totika pressionté peuple congolais kanambe alingi akufa il faut to pesa yo occasion akufa comme on dit toujours dans 5 minutes avec César Ngadi nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme vous en avez d'ailleurs l'habitude de faire sur votre feed derrière la caméra et à la réalisation c'est beauté image c'est le meilleur de Paris d'ici là portez-vous bien et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kabila na 2018 au Koukoufa, peuple congolais, à Koufifa. À très bientôt. En ce moment où je prends la parole pour la première fois devant le Conseil de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où Son Excellence le Président Mzé Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999,
du Conseil, plaider du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bien au contraire, le conflit en République démocratique du Congo totalise déjà près de 3 ans et le bilan est extrêmement lourd. Plus de 2 700 000 morts en 22 mois dans les territoires occupés de l'est du pays, selon le rapport de International Rescue Committee du mois de mai 2000. Ce chiffre est nettement sous-évalué d'une part parce qu'il n'intègre pas les victimes survenues depuis le mois de mai 2000 et du fait de la poursuite de la guerre d'agression jusqu'à ce jour d'autre part. L'exploitation illégale des ressources naturelles de notre pays, principalement celle de la tantalite, du coltan, du bois et l'or et du diamant, qui alimente l'effort de guerre des pays agresseurs, est un phénomène dévastateur qui aura des conséquences graves sur le devenir des générations présentes et futur de mon pays. Cette exploitation illégale doit prendre fin. Mon gouvernement vous assure qu'il ne ménagera aucun effort pour coopérer pleinement avec le groupe d'experts ad hoc, composé d'éminentes personnalités au savoir et à la compétence éprouvée et internationalement reconnue. Nous leur réitérons notre confiance et notre soutien le plus total. Nous exprimons avec insistance notre souhait que ce groupe vous présente au mois de mars un rapport complet de la situation qui vous permettra de statuer en toute connaissance de cause. Ce rapport, nous le voulons juste, équitable et même d'établir la vérité sur ce dramatique pillage de ressources naturelles.